born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. Va-t-on réussir à battre Léon et Liane Saucisse? Hein, bonsoir à tous. Hier, nous étions laissés sur ce couple démoniaque, sur Little Nightmares, premier du nom. Et là, ce soir, nous allons essayer de les vaincre. Hein, de les terrasser. Bon, tout est bon. Ah, on voit la souris, là. C'est peut-être pas très bien. Voilà. Donc là, on repop ici. Ah, bah, ils nous ont remis tout en bas de... du poubellier. Et je vois que la souris est en train de faire sa petite vie tout seul. Regardez-moi ça, elle bouge tout seul. Allez, viens là.
Viens là hors de l'écran, ça va être mieux. Oui, bonsoir à tous. Mais pourquoi elle est revenue là? C'est fou. Reste là, ma belle. Elle veut pas, elle veut absolument se mettre dans le coin de l'écran. Vous savez ce qu'on va faire? On va la mettre là. Et on va la désactiver. Voilà. C'est fou ça, cette histoire. Elle est revenue. Je vous assure que je le fais pas exprès. Et elle bouge tout seule. Bon, on va la laisser faire sa vie là. Regardez-moi ça. J'ai désactivé la souris et elle bouge quand même dans le coin à gauche. Ah, qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Si je pouvais au moins la mettre dans un petit coin, ça pourrait nous arranger. Allez, cocotte. Bah non, elle veut rester là. Bon, allez, écoutez, hein. Si je meurs, je m'en occupe. Non, elle bouge tout seul. Et je vous assure que je ne suis pas maître. Ah, j'ai plus de batterie. Bon, écoutez. J'en suis désolé. Quoi, on a été vu là déjà dès le départ. Bon. Ça veut dire qu'on va mourir? Oui. J'ai plus de batterie sur ma souris, donc elle ne veut point... elle va nous faire chier, quoi. C'est quand même terrible. Géocalala, Samus Aran. Ah bah, ma belle Samus Aran arrive et la souris est partie. Très bien. C'est signe qu'on va réussir. Géocalala, évidemment. Bon, alors attendez, vu qu'on se fait avoir dès qu'on arrive là, on va passer par là. Hein. On va essayer d'être un peu plus malin. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font la vaisselle. On va passer dans leur dos. Oula. Bon, non, mais. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein, mon gros Léon? Rien du tout. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Liane saucisse, pardon, pas Liane folie. Rien du tout, elle va repartir. Voilà. Non, non, je suis pas là. J'ai jamais été là. Là, je me fais avoir à chaque fois, évidemment. Non, c'est bon cette fois-ci. On va la faire à la Solid Snake. On va y aller tout doux. Peu de patient. On va attendre les scripts. On va attendre les scripts. Voilà. Hier, j'étais fatigué. Au bout de 2 heures, j'allais trop vite. J'allais bien trop vite. Voilà. Bon, du coup, on en arrive à cette petite table, hein. On se souvient tous. On va déclencher ça. Mais alors, est-ce qu'on a le temps d'aller se cacher? Je crois qu'on se faisait avoir. Hein, je me souviens plus. Ou courir. Hein. Ou alors, on peut-être accéder ici. Non, pas du tout. Il m'a pas vu. Attendez, attendez. Il m'a pas vu. Je reste là. Ah oui, quand même. Ah, putain. Je pensais que je pouvais monter sur la caisse. J'ai cru. J'ai cru. Bon, c'est bien. Il est pas salaud. Il nous met un petit checkpoint ici. On remerciera les développeurs. C'est pas très salaud, là. Pourtant, le jeu peut l'être. Hein. Ah, putain. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je me cache aussitôt en dessous possible. J'essaie d'aller trop vite. C'est mon... Là, si on se cache tout de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est bon.
Je pense que ça va. Ouais, c'est un masque, hein. C'est un masque Léon et Liane Saucisse porte, hein. C'est spécial. Bon, maintenant qu'on a que les crochets fonctionnent, où on peut les attraper? C'est bien gentil d'avoir fait tout ça. On va se faire avoir. Non, c'est bon. Où on peut attraper les crochets? Qu'est-ce que je fais en fait là? À quel moment? Parce que on a... Voilà, là il y a les crochets là. Ah, faut monter sur la pile d'assiettes. Bah bravo. Ça va pas être simple. Voilà. Attendez, il va falloir monter sur la pile d'assiettes. Ça se corse un peu là. Là, ça se corse un peu. Il veut pas se relever là? Ah bah non, il y a une petite grille. Attends, on la voit bien la petite grille. Comment on peut faire? On peut monter ce... Non. Oh putain, mais il m'a revu là. On va ressortir par l'autre. C'est bon. Allez le crochet là. Oh mon dieu. C'est bon, c'est bon. Normalement ça c'est une affaire qui roule. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il peut pas m'attraper là quand même? Mais si, la perspective, la perspective. Oh, ça va, ils me remettent ici. C'est sympa, c'est sympa. Oui, d'accord. Il va falloir se dépêcher, alors. Il va falloir faire le bon show, mais rapidement. Non, mais j'en sais rien, là. Ouais, plus, moi j'ai dormi toute l'après-midi, là je suis pas du tout réactif. Allez, on y va, on smile. Ouais, c'est ça, fallait courir tout de suite quoi. C'est bon, c'est bon. Allez, salaud, il m'envoie des canettes. Gardez vos canettes. On est bien. T'as plu? À mon chien. Est-ce que ça lui a plu à mon chien? Ça t'a plu? Évidemment que ça lui a plu. Il aime bien quand c'est fluide. Il est comme moi. Faut courir un petit peu droit là, Romain. Oh putain, mec. Ça va. Ça va. Faut se faire un peu à la manette. J'ai eu un gros problème de manette ce soir. J'ai cru que j'aurais pas pu streamer. Alors je sais pas. Le Bluetooth ne fonctionne, ne voulait plus. Ne voulait plus. Donc j'étais obligé de brancher en filaire. Ça me change pas grand chose. Si ce n'est que ça m'agace. Il faut que je comprenne pourquoi il veut plus. Allez. Petite échelle. C'est joli ici, hein. Enfin j'aime bien. D'une façon générale, le début du jeu de cet opus 2 est un petit peu moins torturé que dans le deuxième opus. C'est
Ça reste sombre, hein, bien sûr. Ah, on est sur un bateau. Voilà. Et on peut voir les passagers, regardez-moi ça, ces espèces de petits bonshommes, enfin des gros bonshommes. Ah, oh, ils sont contents d'aller travailler et d'aller prendre le bateau là. C'est joli hein, quand même. Ok, là on monte par le petit... c'est quoi, c'est une espèce de tuyau maintenant? Un cordage. On est sur un bateau en fait. Une espèce de paquebot de l'enfer. La petite meute, elle va bien s'envoler pendant... Voilà, merci. C'était sûr. C'était certain. Ils ont... Alors, oui, ce sont des petits bonshommes. Ils ont aussi des masques, hein. Ils se ressemblent tous. Alors, est-ce que c'est une critique de la société? Ben, je le pense, hein. Parce que je vous disais dès le, en début, hein, au début de la VOD, le jeu est une critique de la société. L'absurdité des choses, de l'existence, la cruauté, voilà, tout ça. C'est un mix un petit peu de tout ça. Je le crois. Donc on est ressorti de la cale hein, pour mieux s'aventurer. Bon, moi j'aurais bien aimé qu'on sorte complètement du bateau. Alors. On peut pas, pas si. Le contrôle du petit personnage est bien mieux dans le second opus. Ouais, ça c'est sûr. Je le sens. Hein, là, on vient juste de terminer le second opus et là on commence Little Nightmares 1. Je vois quand même la différence au niveau de des zones d'accroche, des hitbox, de plein de choses. Attention, il est très bien, hein, mais on voit qu'ils ont quand même travaillé dessus. Hein. C'est un petit peu plus aléatoire. Vous avez vu la petite nana là? Alors pour le background, je vais essayer de mettre la caméra sur elle. Ouais, voilà, pour le background, elle était, c'était son portrait qu'on voyait dans l'espèce de pièce où je m'amusais à dire que c'était une secte. Alors, est-ce que c'est son bateau? On ne sait pas. Ouais, voilà. Bravo. Si, je suis coincé. Lui tout de suite il m'a eu. Ouais. Tout de suite il m'a vu lui. On va être un peu plus réactif, on va courir tout de suite. Ok. Petite sauvegarde. Là, ils peuvent pas me voir, je pense. Ah, encore un de nos petits amis. On va pouvoir pousser la chaise. C'est une manière assez habile pour nous montrer où aller. Enfin, avec quoi interagir, plus exactement. Salut, Coco. Ça va? Je crois qu'on peut les prendre.
Voilà. Petit coquin. On lui fait un petit bisou. C'est très bien. Ok, là on a trouvé une chaussette. Je sais pas exactement quelle est la fonction des petites bougies. C'est que des saves? J'ai pas l'impression de réapparaître à chaque fois où il y a des saves. Ah putain. Il y a des moments, le petit personnage, en fonction de où on frotte ou quoi. C'est curieux qu'ils m'en mettent ici. Est-ce qu'il a pris en compte le fait que j'ai allumé la petite bougie? Ça m'intrigue là. Oui. Allez. Oh putain, mais... C'est agaçant. C'est agaçant, j'ai vraiment eu l'impression de, bah, de bien le faire. Surtout que c'était pas le plus dur. Allez, je retente. En montant, en plus là ils viennent pas. On est d'accord? Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait exactement la même chose, je sais pas. Allez, allez, soyons pas mauvais joueurs. J'avais merdé. Bon là je préfère être un petit peu haut. J'ai aucune confiance dans le jeu. Hein. Au niveau de la perspective. Ils sont tous en train de se baffrer, de se goinfrer. Ouais, non, mais c'est une... Je pense que c'est une... C'est difficile de parler en jouant. C'est une dénonciation de nos sociétés, voilà, j'imagine. Hein. On continue sur notre lancée, c'est pas trop mal. Et mon gros... Oh là là, oh là. Il va m'avoir là. Alors comment je vais le passer? Bon, c'est bien. La sauvegarde est pas cruelle. Attendez. Comment je vais pouvoir le passer? C'est bien là, on doit aller par là, vous voyez, en bout à gauche. Peut-être se cacher. Qu'est-ce que je fais, mais... C'est... En fait, c'est pas vrai... J'ai pas envie de dire que c'est la faute de la manette, hein. Je suis pas comme ça. Mais je vous assure que... Par moment, mon personnage se bloque juste parce qu'il touche un pied de chaise ou... Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai, hein. En plus, j'ai une petite vibration dans la manette. Regardez, là, par exemple, il s'est bloqué. Ah bah parce qu'on peut pas aller sous la table. Pourtant, on aurait l'impression qu'on puisse y aller. Il y a de l'ombre. Comme depuis le début du jeu, on peut aller sous les tables. Pourquoi là, on ne peut pas? Allez, Romain, ne perds pas ta bonne humeur. Ne perds pas ta mauvaise humeur. Non, mais regardez, on ne peut pas aller sous la table. Voilà. Il y a un mur invisible, voilà.
Et là, on va sauter sur son dos. Voilà. Ah là, voilà, voilà, voilà. Mais là, le coup du mur invisible. Alors que depuis le début du jeu, on peut passer sous les tables. Ça m'agace un peu, pas mentir. Et là, il y a un collectible là. Oh là 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 là, voilà Marcel. Léon, pardon. Il m'a vu, il m'a pas vu. Oh, il m'a vu. On peut se cacher là. Parmi les rouleaux de papier toilette. Allez, ça va, t'as rien vu là, c'est bon. Alors, retourne travailler. Bon, Léon. Bon. Là, on peut se voir dans le petit miroir. On peut se mirer. On peut plus ouvrir la porte. Bon, faut qu'on s'accroche à la clenche. Attendez, j'ai une idée. Hop. Voilà, voilà, voilà. Et on monte, et on monte. Voilà. Mais... Remarquable. Ça vous plaît? Oh. Mais c'est moi qui l'ai fait. Je trouve les sauvegardes bien, bien ingrates. Ah, il m'a eu. Allez. Faut rester zen. Ce n'est qu'un petit jeu vidéo. Certes, très bon, très beau, très joli. Mais c'est un petit jeu vidéo, t'énerve pas. Alors, on se cache. En fait, le jeu veut absolument qu'on fasse tout son script. Pourquoi pas, hein? C'est un peu long, en fait, à refaire quand on meurt. Évidemment, puisque c'est le personnage qui nous donne la boîte pour casser la vitre, donc il faut qu'on se retape toute la cinématique, quoi. Mais du coup, d'un truc qui était parti d'une bonne idée, bah ils en font quelque chose un petit peu... un peu laborieux. Ils devraient nous faire repoper là, en fait, quand la boîte est déjà tombée. À la limite, on peut recasser la vitre, mais de tout refaire, bon... Je trouve ça un peu injuste. Non. Non, ne repars pas, s'il te plaît. Bon, on tombe pas cette fois. Oui, c'est toujours ce problème de perspective que j'ai. Putain, mais... Ouh. Pourtant, je fais attention, hein. Le petit personnage réagit au quart de tour. Salut Nictaras, excuse-moi si j'ai pas vu tes messages. Toujours aux prises de sac... Oui. Ah, ça te fait penser à God of War, toi? Pourquoi? Ces petites plateformes... Ah, les petites plateformes, oui. Ah oui, non, mais qu'est-ce que j'ai pu mourir en boucle sur les petites plateformes de God of War par moment? Ça me manque, d'ailleurs, moi, God of War. Tiens, ça pourrait être un jeu à faire, ça, God of War. C'est vieux. Ça intéresse personne. Les vieux God of War, hein, pas le dernier, hein. J'étais un peu déçu du dernier. Pourtant, j'adore la mythologie nordique. Mais je sais pas. J'aurais voulu un... Je sais pas. Pourtant, le jeu a tout pour me plaire. J'adore God of War. J'ai fait tous les crottes de God of War. Avec le gamin, je sais pas. J'ai pas été pris par par l'histoire. Et j'ai pas été pris par... Putain, là, faut pas que je tombe. J'ai pas été pris par...
excusez-moi si j'y vais à deux à l'heure, hein, mais je... putain, mais... Mon dieu! Oh, doudou! Je te casse en deux, le jeu, hein. Et là, puis il faut tout de suite réagir, parce que lui, il arrive, Léon. Sans le côté bagarre, évidemment, mais oui, avec les plateformes et les perspectives et le cinematic in-game. Non, je ne veux pas pouvoir faire cela. Elle est occupée avec le petit. Mais elle joue très bien. D'ailleurs, elle a certainement déjà passé ce passage. Allez. Je suis un peu de mauvaise humeur ce soir, il faut bien dire les choses. Hein. J'ai un peu de mauvaise humeur, tous les salons du livre sont annulés. C'est quoi ce gouvernement là? Oh. Qui fait crever les gens là? Mes salons du livre sont annulés. Celui du mois de prochain et puis... Enfin, c'est annulé, sont reportés, mais c'est reporté à un an, alors c'est annulé quoi. Alors je vous avoue que bon aujourd'hui... Oh mon dieu, ça m'agace! Bordel de merde! Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Remarquable! Ça vous plaît? Oh. Oui, c'est moi qui l'ai fait! Non mais la visioconférence c'est de la merde. Enfin, je ne veux pas d'un monde en visioconférence, mon dieu. Les restaurants sont fermés, faut arrêter, il y a un moment donné faut arrêter le délire. Moi je vais vous dire une chose, il y a une seule raison pour laquelle le gouvernement a pas confiné complètement, comme la première fois, c'est que personne ne l'aurait respecté. C'est pour ne pas que le roi soit nul. C'est uniquement pour cette raison. Ils ont pas le pouvoir là, les gens n'auraient pas obéi. Donc ils emmerdent ce qu'ils peuvent emmerder, c'est-à-dire par décret, les festivals sont interdits, la culture, les petits magasins, enfin tout, ils laissent crever tout le monde quoi. Les gens n'auraient pas obéi là, c'est l'unique raison. Hein. Ils n'ont pas assez de policiers pour surveiller tout le monde, personne n'aurait... Le masque déjà, je lui donne une espérance de vie moindre, hein. Et à un moment donné les gens vont en avoir marre, c'est pas possible. C'est pas possible quoi. Moi ça fait un an là, j'ai pas de salon. Enfin ça fait un an et demi, j'ai pas de salon du livre. Mon livre est sorti en. Ils ont fermé les librairies. Ils ont considéré que c'était pas quelque chose d'essentiel. Bon, pourquoi pas. Putain, et je meurs. Fais chier. Donc on se retrouve que. On a l'impression d'être insignifiant quoi. Qu'on sert à rien. Donc ce que je fais, moi, écrire des livres, c'est pas essentiel. Hein. Non, pas essentiel. Alors que je crois que ce type s'est fait lire là-dessus, hein, sur la culture, enfin vous savez, le dépassement de soi, ce qui nous dépasse. Que nini. Par contre, les métros à Paris sont bondés. Là, pas de problème, ça, il n'y a pas de souci. Là, les gens, il n'y a pas de virus ici. Je vous avoue que la situation m'agace déjà depuis 6 mois. Mais là, que ça soit reporté encore... En gros, les écrivains... Bon, je parle de ma condition, hein, mais je sais que pourtant tous les secteurs, c'est la même chose. On a perdu 2 ans, quoi, voilà. Alors, si on n'a pas les reins solides, financièrement, j'entends, hein, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est l'argent, bien sûr. Les gens meurent, voilà. Non mais on est mort, mais c'était pour sauver notre vie. Hein. Ça j'adore. Il va pas falloir être surpris si les gens les détestent. Hein. Mon dieu que ça m'agace, je suis à deux doigts de tout casser. Non mais c'est n'importe quoi. Excusez-moi mais c'est n'importe quoi. Peut-être qu'un jour les gens J'espère que c'est la dernière fois qu'on élit un banquier quoi. Faut que les gens ils se réveillent aussi. Hein. Les gens sont pas raisonnables aussi.
S'attendait quoi, là, avec un banquier? Enfin... Moi, il y a 20 ans, on m'aurait dit « Oui, le prochain président, vous allez voir, il va être élu à 80%, ça va être un banquier. » Ça m'aurait bien fait rigoler. Eh ben non. Non, c'est ce qui s'est passé. Ah, mon Dieu. Puis, vu ça se trouve, il va être encore élu. Moi, en tout cas, il m'aura fait énormément de mal. En tant qu'auteur, je peux le dire. Mais j'ai l'impression que je suis pas le seul. Faut qu'il fasse attention quand même. À un moment donné, les gens ils vont être en colère. Moi, je vous assure que dans le milieu littéraire, les gens, c'est pas le premier nom, c'est pas le premier nom qui vient à la bouche pour dire des gentillesses. J'imagine que ça doit être un peu le cas dans d'autres secteurs. Bon, j'essaye vraiment de bien faire. J'arrive pas à passer ça. Le petit personnage glisse. Le tuyau est fin, mais fin, vous imaginez même pas. Oui, c'est exactement ça. Les gens ont voté pour lui comme pour une marque de lessive. Donc à un moment donné, bah, on mérite quand même. C'est de notre faute, quoi, voilà, tout simplement. Les gens sont bêtes. Bah, c'est pas que les gens sont bêtes, c'est que voilà. T'as 80% des médias qui te le mettent en couverture. Donc. Mais en fait, j'avais pas besoin, fallait juste que j'aille prendre l'ascenseur. Oui, parce qu'il était jeune et qu'il était dynamique. Ouais, le problème, c'est que ça se résume pas à ça, la politique d'être jeune et dynamique. On peut être jeune et dynamique et complètement con. Il est pas con, hein. C'est un mec supérieurement intelligent, évidemment. Mais par contre, il a un cahier de route, c'est pas du tout le même que les gens qui habitent à la campagne, hein, je vous le dis tout de suite. Hein? C'est pas du tout. C'est quand même un ancien banquier de chez Rothschild. Hein. Je sais pas si vous voyez. Enfin, les gens pensent que c'est un mec sympathique, mais putain. Il peut pas être sympathique, c'est un banquier. Comment voulez-vous allier le social et le banquier, quoi? Enfin, les banques, ce sont des officines qui vivent sur les intérêts des gens. C'est-à-dire que quand ils trouspètent que t'as découvert, en fait ils trouspètent, mais eux vivent de ça, donc en fait ça les arrange aussi. Comment voulez-vous qu'un mec soit un philanthrope? C'est pas possible. Moi par exemple, je serais incapable d'être banquier, de demander aux gens de me rendre l'argent, ne serait-ce que les taux d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que ça? Les intérêts. C'est quand même trippant l'intérêt. Quand vous avez un ami, il vous prête 100 francs, vous lui redonnez pas 110 francs. Il n'y a que les gens méchants qui font ça. Je crois que d'ailleurs c'est interdit dans toutes les religions, l'intérêt. Hein. Dans toutes les religions, l'intérêt est interdit. Hein. Bah parce que on crée de l'argent qui n'existe pas. Enfin, c'est que c'est de la malveillance. On aide quelqu'un ou on l'aide pas, quoi. C'est pas... S'il a pas d'argent, justement, et qu'on lui prête, c'est pas pour lui en demander plus. C'est... Je sais pas, parce que je suis complètement con. Sinon ça s'appelle pas aider là, ça s'appelle te mettre un peu plus dans la merde, c'est profiter de toi. Allez, on revient au jeu là, les gens sont drôlement énervés hein, aussi là. Allez, cours petit. Oh, le climax. Oula, oula, oula. Oh, j'ai eu peur. Les religions sont folkloriques. Bah, je... T'avise... C'est bien que tu le dises sur un chat, mais si tu t'amuses à le dire dans la rue, je suis pas certain que les gens soient d'accord avec toi. Ça représente quand même le début de chaque civilisation. Et aucune civilisation s'est construite sans religion. Alors, j'ai pas l'impression que les civilisations soient construites sur du folklore. Non, non, il y a encore des systèmes de société où l'argent n'est pas le vrai dieu. En Occident, oui, certainement. Ouais.
Tu me donnes une petite saucisse, toi. T'es drôlement gentil. Ah, mais... Ah, bah d'accord, Billy. Ah, on comprend mieux, là. Il devient de plus en plus mauvais. Il devient sacrément mauvais, le Billy, là. Il a mangé notre petit ami. Il a mangé notre petit ami, hein. Alors qu'il nous aidait depuis le début. Ouais, bah on comprend. Là, on commence à comprendre les réactions. Et regardez cette femme, elle est encore là. Hein. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure et qui était dans le portrait. Hein. Finalement, les gros sont gentils. Oui. Je sais pas pourquoi tu dis. Ah, je l'ai cassé avec. Je lui ai mis un coup de tibia. J'ai pas eu besoin de le soulever, de le casser. Pourquoi tu me dis que finalement les gros sont gentils? Pas compris, Nick Taras. Et hop! Très bien. Cette petite femme a l'air. À l'apparence asiatique m'intrigue drôlement. Vous vous souvenez, hein, moi je l'ai reconnue, elle était en tableau dans l'espèce de. Oui, d'endroit où je vous ai dit que ça ressemblait à un lieu de culte. C'est elle la chef du bateau? Ah oui, si on part du principe que c'est nous le méchant, effectivement, du coup les gros sont gentils. Excuse-moi. Un petit temps, j'ai un temps de latence. Bon, on est dans son petit appartement personnel, là. Bien l'impression, hein. On dirait la chef du... C'est la chef du... Du bateau. Bon, là, il va falloir mettre une clé. Et puis après, on aura affaire à l'œil, hein. C'est inscrit sur la porte. Ouais, Billy, finalement, on aurait dû commencer par le 1. Mais en même temps, on n'aurait pas été aussi surpris. C'était pas mal de faire le 2. Parce qu'on savait pas qu'il était aussi mauvais. Hein? Ça change toute l'histoire de connaître son origine. Vous entendez ça? Oula, non, c'est pas nous. Oh, elle a des pouvoirs parapilipsitiques. Elle nous a tués avec deux doigts. Elle nous a tués avec deux doigts. Il va falloir qu'on soit plus prudent. Je vais ouvrir la petite porte, là. Je pense pas qu'on puisse l'ouvrir, mais je vais essayer. Non. Hein? Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il a fait, là? Il a pu monter quelque chose qui n'existait point. Bon, là, je vais me faire avoir tout de suite si j'y vais. On est d'accord? Je vais essayer de monter, je sais pas. Non, je peux pas. Non mais voilà, ok, on peut pas s'aventurer dans sa chambre. On meurt tout de suite. On meurt tout de suite. Peut-être en passant de... Je trouve ça curieux qu'il y ait une lumière... Là, je vois pas du tout. Faudrait pousser ça, puis ça fasse... non. Domino? Non. Faut monter sur la pile de linge. Ah oui, voilà, Sadako. Qu'est-ce qu'elle m'avait fait peur, moi, Sadako? Et qu'est-ce que je fais? Allez, n'aie pas peur. Petit personnage. On peut monter là, mais ça sert à rien du tout, je pense. Allez, on va essayer de trouver la solution. Voilà. La caméra se rapproche, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Mais encore, et là, du coup, qu'est-ce que, de quoi?
Vous avez une petite idée? T'as une petite idée? Tu as vu Juan versus Ringo? Non, parce que j'ai vu que c'était catastrophique, hein, non? Je m'y suis intéressé. Attendez, je vois même pas mon personnage. Je m'y suis intéressé, puis j'ai lu que c'était pas bien, non? Pas vraiment catastrophique, je veux dire. Parce que même si c'est du 5 sur 10 sur Sens Critique, moi je regarde. Mais là, je crois que c'était vraiment genre 2, 3. Hein. Genre, on peut pas le regarder, quoi. Bon, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ah, tu dis que c'est bien fun, toi. Bon, je le note. Je pensais vraiment que c'était même pas fun en fait, que c'était mauvais. Bah du coup, je suis en train de me demander s'il faut qu'on aille là. Si je poutre la porte, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, le côté épouvante n'est plus là, encore on est les personnages, mais il y a un peu de liberté, un peu de lore, et ça termine en belle apothéose. Ah oui, bah écoute, tu vois, moi j'avais lu les critiques sur Sens Critique, justement. Et bon, bah les gens le descendaient en flèche en disant que c'était vraiment pas bien. Attendez, attendez. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux ouvrir la porte là? Non, je peux pas l'ouvrir. Il y a un truc que j'ai pas compris? Oui, ça c'est sûr qu'il y a un truc que j'ai pas compris, mais quoi? Mon Dieu. En tout cas, ça me détend un peu de jouer, vous le voyez. Oh, attendez, peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais je pense pas, ils me font repoper là, alors. On meurt en boucle. Oui, ça me détend un peu de jouer, parce que là, je vous assure que là, les deux salons, alors, je me faisais une joie d'aller en Normandie, à la Cigogne Noire, salon du festival policier, du roman policier, et de la littérature noire, en Normandie. C'est annulé, et puis là, un autre. Bon, en gros, tous vont l'être. Bon, j'en ai gros sur la patate, quoi. Oui. Pourtant, moi, le volcano, j'ai pas du tout aimé. De toute façon, moi, cette icône, j'ai laissé tomber à... Après Némésis Divina. Il y a quelques chansons que j'aime bien hein, après. Mais j'ai laissé tomber. M'intéresse plus. Enfin, c'est pas mon style de musique après. Non, je vais encore mourir. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On s'arrête là. Après 48 minutes de jeu. Je suis d'une humeur nihiliste ce soir. Je suis agacé de pas avoir de travail. J'ai envie de pleurer. Ah, c'est tout, fallait passer comme ça? Mais elle m'avait vu tout à l'heure. On se pose pas de questions, on y va. Moi aussi, j'ai pensé qu'il fallait la tirer. Mais vous avez vu? Je sais pas, j'ai peut-être pas eu de bol. Bon, là, son vase, ça se voit gros comme une maison qu'il va falloir le casser, non? Et qu'on se cache? Ah, il y a la clé dedans surtout. Oui, voilà. Non, moi j'aime ouais, Dark Medieval Times, Shadow Throne, et puis Nemesis Divina. Et puis après, quelques chansons. Mais non, non, non. Comment il s'appelle? D'ailleurs, je sais que Guillaume de Blotosnord a lu mon dernier livre en écoutant ce CD-là. Il me l'a écrit là. C'est leur album juste après, là, une espèce de mini-disque là. Rebelle Extravaganza. Bah, celui-ci, je sais que. Faudrait que je le réécoute.
Je crois que je l'ai réécouté d'ailleurs, quand il m'a dit ça, pour voir dans quelle ambiance il a lu mon bouquin. Mais voilà, à partir de ce moment-là, c'est devenu un petit peu... Il y a un côté punk en fait. C'est difficile de dire ça pour du black metal. Mais il y a un côté punk qui me plaisait pas. Bon, on a la clé, hein. Moi, je me suis attardé juste 2 secondes pour prendre le collectible. Je sais pas à quoi ça nous sert, mais bon, j'aime bien le faire. Si j'ai le quand j'ai l'occasion de le faire, ou si je les vois, les petits collectibles, je les casse volontiers. Ah, moi, j'ai pas du tout aimé, moi. Ah bah c'est la musique, hein, c'est chacun ses goûts. Hein. Je trouve que c'est trop éloigné de ce qu'il faisait avant. Non, non, Rebel Extravaganza. Alors, il est certainement très bien, mais je sais pas, moi, ça me... Ça n'a pas fonctionné. Il est trop... Voilà, voilà, oui, vous avez raison, t'as raison, hein, ça ressemble énormément à... C'est John, là, c'est... Oula, 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 oula. Et... Non, vous avez vu, la glissade s'est effectuée. Et bah pourtant, la personnage m'a eu. Ah non, mais c'est sûr qu'il est certainement intemporel, c'est juste que... Bah après, c'est voilà, c'est les goûts, les couleurs. Pour toi, il est intemporel. Mais je pense que... De toute façon, Attends, c'est très difficile de parler musique en même temps que d'échapper à Sakura. Non, bah après, c'est une question de goût, voilà. Moi, j'aime pas le punk, déjà. Alors déjà, dès qu'il y a un morceau de black metal qui font un... Quand je dis punk, c'est un petit peu le côté guilleret. Moi, j'aime pas du tout quand c'est guilleret. Ça peut être entraînant, mais dès que c'est un peu guilleret, je décroche. Et bah le Rebel Extravaganza, je le trouve trop positif. Je le trouve trop guilleret. Vous avez vu, hein, cet œil, hein. Bon, la chaise, on va... Je regarde quand même si la chaise, on pourra la pousser quand même. Non, même pas. Non, elle ne bouge pas. Hein. Ouais, dans l'Opus 2, ils ont grandement amélioré tout ce qui est physique. La physique est grandement améliorée. Là, il y a beaucoup de petits bugs, de petites choses qui ne vont pas. Bon, ça reste un super jeu, hein, c'est génial. Mais le jeu est tellement beau et tellement bien... Que après, les défauts, les petits défauts, on les saute aux yeux, après. Bah, c'est une question de goût, je trouve pas. Je trouve pas, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois que tu vas me faire changer d'avis? Tu crois que tu vas me faire changer d'avis? Tu crois que notre conversation va se terminer en disant eh, je vais te dire oui t'as raison finalement je l'aime. Non, c'est mon impression. Parce que en fait Shadowstone je l'écoutais à une époque. Donc je suis pas partial. C'est mes souvenirs, j'ai l'impression qu'il est plus sombre. T'as peut-être raison en plus, tu vois. Mais c'est voilà, c'est. Là on peut pas. On peut casser ça? Non. Non, non, je trouve Shadowstone beaucoup plus sombre. Non, puis vraiment, en plus, c'est un album que j'écoute encore, parfois. Je ne vois pas. Alors, je vais essayer d'ouvrir le petit placard. Quand on ne sait pas, on ouvre le petit placard. En général, c'est ça. Non. Ça ne veut pas l'effectuer. En même temps, je suis venu là, mais pourquoi? Il regarde en hauteur. Bah, peut-être parce que je mets le stick en hauteur. Là, je vois vraiment pas. Il n'y a rien du tout. Tu as une petite idée? On peut monter sur la pile de linge, mais... Non, là, je vois pas du tout. Je réessaye une dernière fois les tiroirs. Mais non, hein, on peut pas. Hein. Non, allez, hop, je me casse. Mais pourquoi on est venu là, là? Vous avez vu la planche, là? Je sais pas si c'est fait exprès qu'elle soit mise comme ça.
Ah, je suis persuadé qu'il faut aller à droite. Mais je sais pas, vu que c'est bloqué, j'ai envie de regarder. Je ne suis pas sur pas les gens qui changent d'avis. Oui. Ah oui, c'est moins riche. C'est mieux de confronter les idées. Oh, mais je vais pas repartir en arrière. C'est ridicule. Non, non, il y a quelque chose que j'ai pas. T'as des soucis de connexion? Est-ce que ça t'arrive d'en avoir? Ou c'est uniquement ce soir? Ou c'est quelque chose qui t'arrive? Je stream en 1080, alors c'est peut-être pour ça, hein. J'ai changé depuis deux VOD. Je suis même tenté de revenir en 720 parce que j'ai l'impression que je perds des viewers. Mais par contre, la qualité est bien plus jolie. Ah, mais voilà! Mais qu'est-ce que je suis idiot? Pourquoi je l'ai pas pris? Pas parce que je pense que ça va me servir à rien, mais. Ça arrive depuis quelques soirs. D'accord. Je pense que je vais revenir à 720. Enfin, c'est vrai que sur YouTube, c'est beaucoup plus joli, hein. De faire des vidéos de. Oh, elle est là, Sadako. Elle est plus là. Elle est là, elle est plus là. On va suivre la lumière. Oh, c'est dégueulasse. Là, c'est vraiment du Die and Retry gratuit, là. Comment on peut savoir qu'on va mourir? Là, franchement. J'ai pas envie d'être de mauvaise humeur et de mauvaise langue. Mais là, franchement, si c'est pas gratuit comme on est mort. Un petit peu, hein. Un petit peu. Bah oui, c'est ce que je me suis dit, comme dans les jeux vidéo, on projette la lumière, ou, vous voyez, on montre. On le dirige vers le méchant, quoi. Mais là, on est mort. Regardez. Ah, on voit son ombre? Non? Ok, je l'ai fait exprès. On meurt quand on reste trop longtemps dans l'ombre. Pourquoi pas? Mais j'ai pas eu la sensation d'être resté très longtemps dans l'ombre la première fois. Bon, on va se dépêcher alors. Mais est-ce qu'on a besoin de prendre le miroir? Voilà. Allez, on se dépêche. Là, je reste dans la lumière. Ah, faut. Ouais, enfin. Voilà, pense à toi dans le cul. Alors, et je suis poli. Allez, la lumière va se mettre où maintenant? Là. Oh non, mais c'est. Et franchement, c'est un petit peu dégueu. Je sais pas ce qu'il y a là, ce soir, hein? Tout le monde est déprimé, hein? C'est la dépression générale en France, hein, je crois. Hein. On perd tous notre boulot. Les jeux nous font mourir en boucle. Dolores nous l'avait prédit, ça. D'ailleurs, qu'as-tu pensé de la vidéo explicative? Je l'ai pas encore regardé. Je vais t'avouer que les 2 petites heures que j'ai de streaming, c'est mon seul. Le bébé nous prend beaucoup de temps. Moi et ma femme. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. Je vais la regarder. J'ai pas repensé. Mais je veux la regarder. J'ai eu d'autres choses à regarder. Parce que j'ai une petite liste. Et puis, c'est vrai que j'ai oublié. Je la regarderai. Parce que regardez, c'est à moi de bouger la caméra pour savoir où est le prochain endroit de lumière. Je le vois pas là, par exemple. Ah ouais, voilà. Faut être au taquet, hein. C'est moi qui suis pas assez au taquet. Bon, Sadako, t'arrives de par où là? Ok, alors en général c'est 3 fois, hein, comme dans Super Mario. Vous êtes au courant de ça, hein. Elle est où là? J'espère que c'est fini.
petite séquence. Allez, allez. J'ai pas le temps de te lire là. Je vais te lire. Point tour faire. Oui, ça, il y a vraiment un petit côté ring là. Hein. Bon, c'est bon. C'est bon. Remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Mon Dieu. À peine à se relever. On va aller la bouffer là encore? Billy. Sur les fleurs sauvages. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mordre dans le cou là? On va lui arracher la rate? Eh oui. Exactement. On commence à mieux comprendre hein, tout ce qu'on a vécu dans l'opus 2. À la limite, c'est bien. Là. Moi, je préfère avoir fait dans cet ordre-là, du coup. Là, on découvre un Billy. Très pragmatique. Très pragmatique. Faudra pas s'étonner, effectivement. Ça va là, celui-là, celle-là, je l'ai eu. Hein. J'ai pas fait. J'ai corrigé en temps réel. Ah. Alors ça nous a donné des pouvoirs? Bah non, parce que dans l'opus 2, on n'a pas de pouvoir. Ou alors peut-être on les utilise pas, vu qu'on n'incarne pas Billy. Bon les gros, maintenant c'est moi le boss. Pas mal. J'aime beaucoup cette petite séquence. C'est très cinématographique. Exactement. Ah là, c'est très très bien, c'est très bien là. Ça me plaît. On a pris la place du boss là. Du coup, c'est vrai que je regrette pas du tout de faire Little Nightmares après le second. C'est comme une préquelle, vous voyez. Apprendre les âmes de ceux qui se moquaient. Vous entendez là? Hé, c'est notre petit ami. Ils me suivent? Qu'est-ce qui va se passer? Non, il part. Alors, je sais pas s'il m'en veuille, parce que j'en ai quand même bouffé, j'en ai bouffé un d'eux. On les revoit pas dans l'opus 2. Ah, mais c'est terminé! Le jeu est très très court! C'était le boss de fin!
Mon Dieu, mais on a fini le jeu en 3 heures. Eh ben dis donc. Je suis le premier surpris. Bravo. Mon chien me félicite. Et non, c'était pas la démo. La démo, je l'avais faite. Et bah oui, non, mais de toute façon, c'est sûr, c'est pas la démo. Non, non, c'est un tout petit jeu. Donc, du coup, après, ils ont fait Little Nightmare. C'est pour ça qu'il était si peu cher sur le PlayStation Store à 5 euros en promotion. Je trouvais que ça curieux quand même que PlayStation fasse une réduction de fou comme ça. Mais non, c'est un tout petit jeu. Enfin, je veux dire, il est pas long. Mais il était plein de promesses. Bah, très bien, c'est un bon jeu, c'est un bon petit jeu. Pour l'époque, ça, c'était très bien. Et le, bon, Little Nightmare 2 est bien plus long, bien plus travaillé. C'est une ébauche. Voilà. Bah, ça fait très DLC, en fait, du coup. On l'aura terminé, bah oui, en 3 heures. Hein, voilà. C'est un EP. Ah bah, du coup, je me trouve bien... bien surpris. Non, bah, c'est très sympathique, voilà. Mais, effectivement, quand on a fait déjà le 2... Quand on a déjà fait le 2, bah le 2 est beaucoup plus beau, beaucoup plus long, beaucoup plus complet, beaucoup plus d'idées. Donc forcément, celui-ci est un petit peu moins bien, voilà. Mais il faut le replacer dans le contexte, c'est le premier. Et ben voilà, écoutez, hein, je m'attendais pas que ce soit la fin aussi rapidement. Donc du coup, va falloir qu'on se remette sur... je sais pas quoi. En tout cas, on aura fait les deux Little Nightmares. Et eh ben je vais aller réfléchir à quel jeu on pourrait faire. Du coup, ça n'aura duré qu'une heure. Hein. Je vais essayer de trouver quelque chose de très bien. J'ai quelques idées, notamment des trucs peut-être un petit peu... Bon, vous allez voir. Vous allez voir. Il y a beaucoup de Français, hein. Mais c'est français, Little Nightmares. Je suis en train de lire les noms, là, c'est que des Français. Bertrand Amiard, Anthony Macaré, oui, c'est français ça. Hervé, Céline, Caroline. Bah oui, Caro. Caro Fauchy, évidemment, je la connais. Même Dodibal. Ah, pardon, c'est l'équipe européenne. Ok. Non, parce que ça aurait pu être possible, un petit jeu comme ça. Bah, j'aurais été. C'était. Oui, d'accord. Oui, voilà. Maintenant, il y a le management, c'est la stratégie. Là, on retourne un peu plus dans l'univers asiatique. Non, c'est un jeu japonais. Le générique original avait des noms à consonance nordique. Ok. Non, bah, je sais pas. Non, parce que là, c'est vrai que là, je voyais que des noms français. J'ai cru que c'était français. Ok. Bah, écoute, Nick Taras, hein, vu qu'on est plus que tous les deux, je pense que tous les gens ont déjà fait Little Nightmare. Ça n'intéressait pas grand monde de le revoir. Mais c'est pas grave. Nous, ça nous a fait bien plaisir, je pense. Enfin, j'espère. Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie d'en savoir plus. Donc, maintenant, on sait pourquoi Billy, hein, est devenu légionnaire. Il a toujours été un peu mauvais. Et... son destin était de devenir le Tollman, je pense. Hein. Bah écoute, Nick Tara, je te souhaite une très bonne nuit. Puis pour les viewers qui ont été de passage, je vais leur souhaiter une bonne soirée aussi. Et puis certainement à demain. Avec, je l'espère, quelque chose de très très bien. Hein. Voilà, en tout cas je t'embrasse fort. Hein. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, je vous embrasse tous et je vous laisse sur mon excellent générique de fin, vous le savez. Tchuss.